Si la sélection algérienne n'a pas pu se hisser sur le podium, elle arrive toutefois première du continent africain, déterminée à revenir en 2019 pour une nouvelle fois représenter ses couleurs. De la pâtisserie algérienne. Pour arriver fin prêt pour cette finale prestigieuse, les quatre professionnels se sont imposés un entraînement de longue haleine. J'ai fait 7 mois de sacrifice et 3 mois de stage fermé pour l'équipe et beaucoup d'efforts. Au travail dès 6h30, les 22 équipes composées d'un glacier, d'un pâtissier et d'un chocolatier ont 10 heures d'épreuve. 10 heures pour tenter de porter au plus haut les couleurs de la pâtisserie de leur nation. Alors, pour sa deuxième participation, l'équipe algérienne a mis la barre encore plus haut. Premier défi, le dessert glacé, composé d'un sablé, d'un crémeux pignon, sorbet à brie.